C'est parti. Voilà, donc l'arrivée de la Solo Concarneau, ça s'est fini vraiment à couteau tiré avec quelques secondes entre le vainqueur Yann Eliès, le second Adrien Hardy et moi-même sur Maître Coq. Voilà, l'idée c'était de valider le matériel, les voiles, les coupes de voiles avant la solitaire du Figaro et se mettre vraiment dans l'état d'esprit d'une étape de solitaire du Figaro. Donc voilà, même si des fois on n'est pas le plus rapide ou le plus inspiré, l'idée c'est de ne pas laisser beaucoup de temps entre soi et ceux qui sont un petit peu plus inspirés ou plus rapides. Donc voilà, quelques secondes à l'arrivée, pas premier, mais quelques secondes devant les deux premiers, toujours sur le podium. Donc ça donne du baume au cœur. C'était la dernière avant la solitaire du Figaro, donc maintenant il n'y a plus qu'à répéter ça au mois de juin. Parfait.